Sean. Les drag queens parisiennes. Une trentaine d'entre elles viennent de créer leur agence. Toutes ensemble, elles sont dorénavant plus fortes pour dénoncer leur contrat. Drag Queen Factory, c'est une agence artistique, hein. Donc il n'y a pas seulement que des drag queens, mais on est quand même la première agence française créée sur Paris, spécialisée dans les drag queens. Oui, allô, Dini, c'est Dani Cadillac à l'appareil. Pourrais-tu me rappeler? Fossile de rigueur, mais poigne de fer, Dani Cadillac est avant tout une femme d'affaires. Pas question de se faire avoir, grâce à l'agence, fini la drague solitaire qui, en montant sur les planches, risquait de se faire plumer dès ses débuts. Car elles sont nombreuses, des petites cendrillons à rêver du haut d'un podium à se croire les plus belles pour aller danser. Pour elles, le gay Paris à la couleur de l'Eldorado. Avoir derrière toi une agence comme Factory, c'est quelque chose de, qui te rassure à toi-même. À Paris, c'est un peu plus... Les gens regardent mais disent rien. Mais en province, les gens ils veulent te toucher, ils veulent te regarder, parler avec toi pour voir que tu n'es pas une chose qu'on ne peut pas toucher. En fait, on est des personnes, nous autres. Pas sectaire, les dragues acceptent aussi dans leur agence les hommes. C'est la France, c'est Paris, c'est l'amour. Les vrais, même les tatoués, gogo danseurs et drag king barbus sont les bienvenus.